Salut les amis, ravi de vous retrouver à Birmingham du côté de Villa Park. Dans la cabine donc de commentateurs, à mes côtés et pour vous servir, Omar Da Fonseca. Évidemment, rien de mieux qu'une nouvelle saison de foot qui commence. Aston Villa contre Liverpool. Et oui, un match passionnant à venir. Ces deux équipes ne se sont jamais rencontrées dans le passé. J'ai hâte de voir comment les adversaires vont se comporter. Peut-être qu'on va assister à un premier match d'une nouvelle rivalité mythique. Un œil sur la compo de cette formation. Dans le but, c'est Anatoly Trubin. Pedri sera accompagné de Florian Wirtz au milieu de terrain. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. Et Liverpool qui tente de porter le danger. Kulusevski dans la surface. Quelle énorme occasion! De marquer le premier but, mais c'est raté. Cela dit, ça permet d'annoncer tout de suite la couleur à ton adversaire. Et on va en profiter là pour faire un petit focus sur Pedri. Avec lui, le danger vient de partir. Sa caractéristique principale, c'est son habileté technique, cette capacité à dribbler n'importe quel adversaire dans n'importe quel espace. C'est une sorte d'équilibriste de football, capable de résoudre tous les problèmes avec un dribble, une feinte. Pedri. Bien défendu. La passe filtrée de Gabriel Jesus. Et la jolie passe dans la profondeur. Et un hors-jeu signalé sur cette passe donnée en profondeur. Ça doit se jouer à quelques centimètres. Ah oui, ça s'est joué à un orteil et demi. Truffert. Saka reçoit le ballon. Bouba Camara. Le ballon est mal donné et c'est perdu. Pedri. Le ballon revient sur Saka. Saka pour centrer. C'est un ballon qui est récupéré. Kamaldine Souleymana. Pedri. Voilà la patience avec cette position dans le camp adverse. Un ballon intercepté, ça change de camp. Dejan Kulusevski. Kulusevski reçoit la balle. Gros pressing et ballon récupéré très haut. Le ballon pour Gabriel Jesus. Et avec maintenant Anthony Martial. Lecture pour intervenir sur cette passe dangereuse. Florian Wirtz. Bukayo Saka reçoit le ballon. Quelle intervention, elle est hyper importante. Ça joue avec Anthony Martial. Camara. Ah, qu'est-ce qu'il va tenter là, Pedri? Bukayo Saka reçoit le ballon. Et maintenant Souleymana. Florian Wirtz avec le ballon. Dejan Kulusevski.
Oui, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Gabriel Jesus avec le ballon. En excellente position. Ouh, c'est contré, in extremis. Camara. Pedri. Gabriel Jesus. Le ballon revient pour Kulusevski. Kulusevski est dans la surface. Allez, la frappe, c'est bien tenté. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Allez, c'est récupéré très haut, ça. Et ça joue sur Martial. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Pedri. Le ballon pour Pedri. Eh, passe en profondeur de Saka. Eh non, ballon bien récupéré là par la défense. Camara. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Le ballon pour Gabriel Jesus. Ballon récupéré en pleine surface de réparation. Ouh là là, la passe est complètement ratée. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Gabriel Jesus avec le ballon. Et il peut frapper Martial. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. 1-0 donc au tableau d'affichage. Interception décisive dans la surface. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Camara. Saka. Réception de Pedri. Et la passe est complètement ratée. Camara reçoit la passe. La passe vers Souleymana. Excellent le geste défensif là. En tout cas, pour une partie du public aux tribunes, ça ne faisait aucun doute. Il y avait clairement pénalty. Ça grogne. Un ballon intercepté. Bonne intervention.
Et la passe vers Luis Diaz. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Souleymana. Florian Wirtz. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Luis Diaz. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Ouais, c'est intercepté. Liverpool qui perd le ballon. Le danger s'éloigne. Excellente intervention. La passe vers Souleymana. L'action se construit dans le camp adverse. À la réception, c'est Luis Diaz. Il avance là, Gabriel Jesus. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. La faute est signalée et l'arbitre, justement, accorde le coup franc. Ça joue avec Pedri. Vers l'intérieur pour aller provoquer. Balle au pied. Gravenberg en possession du ballon. Excellente défense dans la surface. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Kulusevski reçoit la balle face à face avec le gardien. Et c'est pas fini. Excellente intervention. Et le ballon qui sort, la touche pour Liverpool. Le ballon qui est récupéré, tout le monde repart à l'attaque. Côté tribune, le public se levait d'un coup. Un but suffirait. Et la passe vers Luis Diaz. L'action se poursuit. Très bien défendu, sans commettre de faute. Kalimuendo. Kalimuendo. Et le ballon est rapidement mis en attaque pour tenter d'égaliser. Attention, la faute, elle est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. Centre de Saka. Et ça joue sur Saka. Et voilà un ballon littéralement rendu à l'adversaire. Et c'est bien donné dans la profondeur. Ah oui, c'est... L'exploit! Voilà le deuxième but à son compteur! Rien de tel pour la confiance, rien de tel pour le moral, et c'est peut-être pas fini! Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Pedri, avec Arnaud Kalimuendo, tourne à droite. Séquence de possession en attendant, en cherchant la brèche. Superbe intervention, sans faute. Une minute de temps additionnel. Étienne Capoue. Luis Diaz avec le ballon. Et c'est là-dessus donc que l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Une mauvaise opération, surtout à deux. Et oui, c'est dur pour elle. On a vu quelques étincelles, c'est vrai.
Whoa!